Alors, les graines germées. Alors, comment procèdes-tu? Bon, alors, pour les faire germer, alors tu me posais tout à l'heure la question, si ça c'était mon germoir. Alors, je t'ai dit oui, c'est une manière simple, pas chère, de faire germer ces graines. Mais avant qu'elles soient dans cette bouteille-là, je la mets déjà dans une petite verrine. Avec, je tapisse le fond de ma verrine avec les graines, alfalfa, ce sont des graines de luzerne, que je couvre d'eau et je laisse couvert pendant toute la nuit. Le lendemain, je vide dans mon évier. J'ai mis un petit couvercle percé de trous. Hein. Je vide l'eau et je laisse égoutter. Puis je rince deux fois par jour. Pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, il y a déjà un petit germe comme ça. Ensuite, je le transvase dans une bouteille dans laquelle j'ai percé des petits trous. Et je verse toutes mes graines dedans. Et au fur et à mesure, chaque jour, je verse de l'eau. Et puis je laisse égoutter. Et puis ça pousse tout seul. Ça, c'est intéressant. Donc ça, ce sont des germes qui ont 3 jours. 3 jours, les petites graines. D'alfalfa, de luzerne. Tu viens de manger? Oui. Alors vous les mettez dans les salades, dans les desserts, dans les soupes, partout dans votre alimentation. C'est très bon pour la santé, ça va vous redonner une peau, une très belle peau, des cheveux qui repoussent, une bonne vitalité, quoi. Une bonne santé. Dans les salades.